L'impossible, la fameuse cuisson à la lave, les gars. Bientôt dans ma boutique sur Paris. Les abonnés, je vous fais des bisous. Hein, c'est quoi là? Attends, là il fait cuire de la lave. Okay. Et là, après de la lave, il la chauffe. Oh, avec de la viande. Oh, t'as vu, moi un jour, je vais ouvrir un restaurant comme ça. C'est plus simple, je trouve. Bah oui, t'as pas tourné. Bah ouais, t'as pas tourné. Tu mets de l'huile, tu sors. Oh, sur des œufs. Non, par contre, là c'est chaud. Oh, l'œuf de coque, non. Bah oui, non, ça va craquer. Faut peut-être qu'ils mettent en dessous. Ouais, ils mettent la lave après, avant. Après, ils mettent les. Ouais, un bon morceau de viande quand même. Une bonne viande, tu vois. Une bonne viande. Tu vois, pas trop cuite. À ton avis, c'est viande de quoi? Viande de bovine, non? Bovine, pingouin. Ah, c'est même, je t'ai jamais dit pingouin. Mais tu sais, il y avait du charbon. Charbon, bah là, ça cuit. Bah là, faut pas trop la chauffer. Parce que sinon, après, elle peut brûler. Ça perd son truc en fait. Ça perd son poulpe. C'est purple? Purple? C'est quoi ça? Ah, c'est le poisson mille pattes. Des airs. Non, des. Oh my god. Mais c'est un poisson qui vole dans l'eau. Parce que les poissons, ils font comme ça. Et lui, il fait comme ça. Genre, il vole dans l'eau. C'est incroyable. Tu l'as déjà vu? Je l'ai déjà mangé. Ah, mais dis, j'ai encore des histoires. Tu sais qu'un jour, j'étais petit. Mais écoute, je te promets. Un jour j'étais petit, genre j'étais dans la mer et genre il y avait plein de requins, tu vois, ouais. Et genre qui m'entouraient, genre j'avais peur et tout, je savais pas quoi faire. Et là j'ai fait quoi? J'ai pris un requin, je lui fais comme ça, bam dans les yeux. Et je te promets. Et après il s'est retourné. Bah oui, les requins, les autres requins. C'est eux les témoins. Et en gros, il s'est retourné. Ouais. Et la technique, c'est ça, s'il y a genre plein de requins autour de toi, faut juste crever les yeux d'un seul. Et ils ont peur, ils vont s'enfuir. Mais ils peuvent pas, parce que tu sais, quand tu lui crèves les yeux, ben, ils voient plus rien. Après toi, tu peux nager et tu t'enfuis. Il va ouvrir sa bouche de poisson. Mais il peut pas ouvrir sa bouche de poisson. Pourquoi? Mais parce que c'est un requin. Donc si moi je te crève les yeux, tu peux plus ouvrir ta bouche. Bah, je fais. Tu fais pas un requin, si ça fait ah, bah il y a l'eau qui rentre dans sa bouche. Bah oui, imagine, là il fait ah et l'eau rentre sous sa bouche, il se passe quoi? Bah là il va avaler l'eau et il peut se noyer. Il vit dans l'eau mais il boit pas d'eau. Il a crevé ses yeux. Hey, tu connais rien en animalerie, toi. Tu connais rien en animalerie de la ferme. Donc là, c'est quoi? C'est quoi, t'as dit? C'est quoi un poisson volant là? J'ai oublié son nom, les gars. Poisson des mers. Oh. T'as vu d'où il fait caca? Regarde, le trou là. Il fait caca de lava. Un melon. Ah, il fait quoi là sur le melon? Hein? Ben non, il brûle le melon. Bon, poisson, j'en ai marre, j'ai vu ça depuis tout à l'heure. C'est du thon, du saumon? De la sardine surtout, pense. Sardine. Oh, you're sure? Après la cuisson, moi j'aime bien quand c'est cru. Pas trop cuit. À point, ouais, plus pas trop cuit. À point. C'est à point, je pense. Ouais. Grosse tête, grosse. Bref. Regarde. Oh, j'aimerais bien mettre ma bouche, faire des bisous. Ah non, attends. Les abonnés, je vous fais des bisous. Rien que pour vous. J'aime bien faire des bisous à des abonnés comme ça. Oh non, regarde. Bon, bref. Bon, là, en gros, il veut faire quoi avec le fameux poisson nageur? Oh non, regarde. L'impossible est arrivé. Regardez. L'impossible. La fameuse cuisson à la lave, les gars. Bientôt dans ma boutique sur Paris. Elle bouge. Quand elle bouge, elle est vivante. La preuve que la lave ne tue pas. Regardez bien. Elle dormait. Bah oui, elle a besoin de repos. Tu lui as mis un lit. Tu mets un lit à un poisson, il dort, tu vois. Ah oui, mais ça va en vrai, ça va. T'as vu, ça lui fait pas grand chose. C'est quel genre d'expérience ça? On prend un poisson des mers, on le met sur une table blanchée. Bon, ça fait quoi? J'imagine pas l'odeur. Ça doit sentir très très bon. Alors regarde, il découpe. Ah, la cuisson parfaite. Ah, j'adore. Oh, c'est tendre. Comment dire ça? Croquant à l'extérieur et mou à l'intérieur. C'est n'importe quoi. J'adore. Comment tu peux savoir que c'est croquant? Je valide.